coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais avoir des PNJ qui vont venir me casser les couilles? Et est-ce que... Non, pas est-ce que, du coup, oui, ça c'est un fait. Je ne toucherai pas de bonus pour session pleine, puisque, bah, évidemment, je suis tout seul dans la session. Ah, super, c'est des points. Bon, bah, voilà. Les marchandises spéciales, c'était facile. Ça, il fallait que ce soit casse-couilles. C'est normal. Vous voyez la vue que j'ai là, parce qu'en fait, j'ai la tourelle sur le toit. Je crois que si vous n'avez pas la tourelle, vous avez une vue un peu plus sympa. On commence par... Ah, ça va, les points, ils sont pas très loin. Qui est un peu plus éloigné que les autres. Bon, 20 minutes ça devrait le faire hein. Voilà, alors les tourelles je vais vous les montrer, parce que donc à l'arrière on le voit, ça c'est exclusivement pour vos potes, du coup si vous faites vos ventes avec vos potes. Mais alors moi du coup j'ai cette tourelle là, voilà, c'est un monstre. Donc n'en abusez pas, parce que comme vous voyez là j'ai foncé dedans, donc ça va parce que le camion est blindé, mais je pense que vous faites ça une petite dizaine de fois, votre camion explose hein. Donc n'en abusez pas, utilisez-le surtout pour voilà, les cancers qui vont venir vous faire chier en avion, en hélico, tout ça tout ça. Donc, pour nettoyer aussi hein, c'est pas mal, voilà. Oh quel plaisir, c'est jouissif. Oh là, le camion, oh le camion il va prendre. Ouais, et donc ça je crois que c'est illimité. Donc ouais, par contre le désavantage de ce camion là c'est que il est assez lent. Dès que vous prenez un obstacle, il est tout de suite très vite ralenti. Donc voilà. Veillez à conduire correctement sur la route. Pas faire le foufou. Évitez de vous coincer aussi, parce que voilà, je vous parlais de la vue. Qui dit mauvaise vue dit très compliqué de se dégager d'un endroit si vous restez bloqué. Typiquement ce genre de route à la con, si vous tombez sur un caillou et qu'il est dessous, vous ne le voyez pas, vous savez pas pourquoi vous êtes bloqué, ça rend ouf. Et votre mission se termine très vite. Bon, ça serait dommage de perdre 1,5 million comme ça. Ou moi, hein, mais voilà, ça serait dommage en tous les cas. Elle est où la vente là? Ok. Pff, je suis fatigué. Ah voilà, il y a des PNJ quand même. Je me disais, c'est un peu calme, hein. Franchement, elle est pas abusée la mission. Je vais aller par là. Alors là, voilà, typiquement la connerie à pas faire, couper. Ne coupez pas la route avec ces camions là. Moi je prends le risque là parce que je suis un débile, mais en vrai, voilà, tous ces petits arbres, ces petites barrières. Il y a tellement d'endroits mesquins dans le désert comme ça là, ça passe juste. Que vous pouvez vite terminer la vente. Ce serait vraiment bête. Hop, bon là ça tape, c'est bon. Privilégie la route, parce que la route c'est plat, ça roule tout seul. J'évite de trop tirer de missiles, je suis vraiment tenté hein, de tous les éclater devant, mais je sais que ça peut se répercuter sur moi l'explosion, j'ai pas envie. Vraiment là les 1,5 million, je vous jure ça fait des mois que je stresse, parce que je me dis putain cette vente faut que je la fasse à un moment, faut que je la fasse. Je me dis ce serait bien de me filmer quand même, parce que c'est 1,5 million, c'est pas rien. Puis là je me suis dit écoute, c'est quoi, j'ai perdu l'autre vente, là je suis bientôt aux 100 millions, il va boucler la boucle, on va tout faire d'un coup. En plus j'avais pas prévu, mais voilà les marchandises là sont doublées cette semaine, donc je me suis dit écoute c'est quoi, je suis allé checker mon stock, j'ai vu que j'avais 500 000 à vendre. Bon. Attends, c'est le meilleur moment. Ah voilà, ça aussi c'est important de le préciser quand même. C'est que votre truc là, il va pas très bas. Donc si jamais on vous emmerde en fait et qu'on vous tire dessus et que la voiture est trop proche, et ben vous pouvez pas lui tirer dessus. D'où l'intérêt là dans ce cas là d'avoir des potes qui vont vous aider à lancer des petites grenades derrière. Alors attends, là si je recule. Ah non merde, non, la connerie à pas faire. Là j'ai lâché un colis derrière, on va éviter de reculer dessus parce que c'est le meilleur moyen de se bloquer. Ils sont... Merde, j'ai mal visé, c'est pas grave. Ah. Et bah alors, on la ramène moi là tout de suite, hein. Wesh, il me fait mal lui en fait, j'avais pas vu ça. Hop, on se met un petit gilet. Ça on est un peu tranquille, parce que j'avais pas vu ma vie descendre là. Pas fait gaffe. Tu te sens un peu invincible dans un truc tout blindé comme ça, mais en fait, faut quand même avoir conscience qu'à travers les fenêtres, ils peuvent vous tirer dessus. Hein. C'est pas non plus full par balle. C'est des petites grilles. Hein. On n'est pas sur du double vitrage de l'extrême. Là. Alors attends. Alors, on va éviter la connerie. Putain. Où est-ce que c'est? Ah bordel, oh là là, c'est long, j'aime pas ça.
je crois que c'est là. Et yes, allez, c'est bon. Encore deux. Putain, 13 minutes. Ah oui, et ça passe vite quand même les 20 minutes. Hein. Je pense que je vais largement y arriver, mais le truc c'est que si je me bloque une fois, j'ai plus du tout de marge de manœuvre. Attends. Ok, on va suivre la route. Oh! Pardon, excusez-moi. Bah, écartez-vous, vous voyez un camion de 25 tonnes passer. Pas forcément la meilleure des idées de rester tranquille au bord de la route sans regarder. Désolé. Faut rester vigilant. Fait du motocross, du camion cross. Hop. Et là, on va aller ici. Ouais. Ouais, je pense que c'est mieux, on va passer par l'autoroute là. Hein. Parce que j'ai pas envie de me re-risquer dans les petites routes ensablées là. Pardon. Ih, ça tourne. Ça braque pas très bien quand même, hein, ce gros camion. Il m'emmène jusqu'à où là? Ok, ça tourne. J'ai eu peur. Ah! Mais qu'est-ce que tu. Toi, tu continues à avancer là. Tu vois un truc passer devant toi? Non, non, non. Moi, je passe. Frère, t'as une caravane. C'est pas un tank que t'as. Hein. Typiquement, ce qu'il faut pas faire. Oh, putain. Ah, ces cailloux de traite là. Tu vois là? Ça, c'est super dangereux pour ce genre de camion. Putain, c'est ma plus grosse vente de boîte de nuit. Mais ça aurait pu être la deuxième plus grosse si j'avais pas perdu mon stock. Ah putain, bon, on va pas s'en plaindre, c'est un caillot. En vrai, c'est quoi un caillot? C'est pas ouf. Mais c'est juste pour le record en fait. C'est ça qui m'emmerde. C'est que j'aurais pu avoir une vente à 1,6 million. Bon, bah j'aurais fait celle-là à 1,5 million. Je suis déjà super content. Il y a trois boîtes. Et bim! Quoi, 1,4 million? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ce connard, il se prend une part de 100 000 boules. Bah écoute, c'est super déjà. Je suis vraiment extrêmement content. Bim. Great, okay. Mais ta gueule, c'est bon. Toi, t'as pris 100 000, t'as rien à me dire. Là. Great, ok. Bah oui, great, ok. Ouais, bah ouais. Alors, ça dit quoi ici, les riders? Oui! C'est de tricks, il voulait rien dire. Et ouais, moi je vous respecte pas, c'est ma route, qu'est-ce qu'il y a? Et ouais, voilà, 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 voilà. Regarde ça, contresens, c'est mis. Oh merde. Bah ouais, mes frères, t'as un gros 4x4 aussi, quelle idée. Qu'est-ce que t'as dit, toi? T'as de la chance que je comprenne pas l'anglais. Non, c'est pas vrai, hein. Je comprends l'anglais d'abord. Ah, mais pourquoi? Il a sauté trop tard. Bim, putain, j'ai même pas célébré ça. Mais attends, c'est un truc de ouf, là. 100 millions! Merde. Tu casses les couilles. Vraiment, cette voiture, nulle à chier pour faire des tricks. Alors, toi, est-ce que tu vas y arriver? Oui, parfait. Oui! Est-ce que t'as déjà vu ça? Le mec, il a 100 millions sur son compte et il chill avec un BMX, quoi. Ah, désolé, c'est trop drôle. Désolé, mais tu peux pas faire ça avec une Formule 1. C'est pas aussi drôle. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux dans GTA si t'as pas un BMX pour t'amuser. Ah, tu rates quelque chose. Franchement, tu rates quelque chose. Hop là. Ok. C'est cinématique, quoi. Après avoir farmé 8 ans, avoir accumulé plus de 100 millions de GTA dollars, il est maintenant prêt pour apprendre à faire du BMX. C'était les Avengers. Les Avengers de Angers. Putain!
Eh connard, pourquoi t'as tourné là? T'aurais été une super rampe. Oui! Oh, j'ai fait un truc! Putain, je me suis calé sur son coffre. Oh. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais moi en tout cas j'y pense. Mais j'y pense très très fort là. Est-ce que je vais être capable d'atterrir sur le train? Putain, ok, j'ai fait un trick, c'est pas mal, pas mal. Maintenant il faut atterrir dessus. Allez! Non! J'y arriverai pas! Fais chier! Oh, je suis déçu! Putain, j'ai raté le coche. Dommage. Vraiment dommage. Bon, là, du coup, je vais faire ce que je disais, prendre un avion et me casser dehors. Vraiment, le désert, pue du cul, quoi. Ouais, super. Un avion de merde. Oh! Putain, à chaque fois, t'es à deux doigts du trick et non, tu tombes comme un truc pas ouf, là. Ok. Bon, bah là, on est posé, hein. Allez, on peut décoller comme ça, hein. C'est bon. Allez, allez. Oh, oh, oh. Mais putain. Je veux atterrir sur les ailes. Ok, d'accord. Allez, allez, bonne nuit. On va te renvoyer. On va décoller. Et on va se barrer. Oh, il est nul cet avion, il est vraiment nul, c'est pas possible. On se fait un peu chier en session publique mais solo. J'avoue que pour les ventes c'est quand même safe parce que t'es serein, t'es pas inquiété de perdre ton argent. Mais j'avoue que là, y a pas d'action en fait, c'est un peu chiant. Là je pense que je vais repartir en session publique, là on s'emmerde. Allez c'est parti. Oui, le vomi.